vlogmas numéro 9. Aujourd'hui là j'essaye juste de voir où je peux installer mon sapin. Mais il est déjà presque midi donc on va manger un bout. Ce matin c'était vraiment tranquille, on s'est calé, on n'a rien fait, on s'est reposé, on s'est levé à 10h, ça fait du bien. À 13h j'ai Daliana, donc c'est la sœur de ma belle-sœur qui vient me faire faire les ongles. Elle est maintenant prothésiste ongulaire, donc ce qui est bien c'est qu'elle se déplace de Sifour à Cuers. Si vous voulez, si vous n'avez pas de place même chez vous, vous pouvez aller chez elle, vous pouvez vous arranger pour aller chez elle. Je crois qu'elle habite sur Toulon vers le Pharan. Je vous mettrai tous les tarifs et tout ça, je verrai avec elle, mais en ce moment elle fait un peu des promotions jusqu'à la fin de l'année, donc n'hésitez pas à la contacter si vous voulez des petits ongles pour les fêtes. Moi je l'attends à 13h et là j'étais en train d'installer ici, j'essaye de mettre des valises et tout ça pour mettre le sapin parce que mon sapin fait que 1m50 et comme le plafond est assez grand ici, je pense que ça va faire ridicule sinon 1m50, je vais essayer de le surélever un peu. Écoutez, let's go, on va essayer de faire ce qu'on peut. Regardez mon Pacha, où il est, il adore observer les gens, mon amour. Mais je vais récupérer les cartons, Pacha, il y a mes décos de Noël dedans. Ça va être pour cacher les valises. C'est trop beau celui-là. Regardez ce que j'ai retrouvé, comme c'était trop beau Noël 2019 avec mon petit Moon, mon Pacha. J'aime tellement mon petit Moumou. On va déjà au moins essayer d'installer le sapin. Voilà le rendu du petit sapin, je vais essayer de rajouter une autre guirlande que j'ai achetée, vous savez, chez BN. J'espère que ça suffira en termes de guirlande. Bon voilà le rendu pour le moment, la guirlande est juste parfaite de BM, donc je continuerai les décorations après parce que je vais manger un bout avant que Daliana arrive pour faire les ongles. Et on continue après. Cyril a fait un steak avec des pâtes, des champignons, de la crème, des oignons, je pense que t'as mis dedans, non? Ouais, et je vais manger du... je vais rajouter du gruyère. Allez, bon appétit. J'ai fini de manger, du coup j'attends Daliana pour me faire les ongles, donc j'ai installé ça comme ça, moi on a une chaise chacune de chaque côté et on va faire les ongles, j'ai trop trop hâte. Ça y est, Daliana est arrivée, on va s'installer pour les ongles, elle a tout mis là sur le bureau. J'ai et voilà, Daliana est là. Bon, on vous montrera le résultat après. C'est parti pour une petite séance. Là, voilà où on en est. Trop contente. Maintenant, on va mettre la couleur. J'ai des griffes de chat. J'ai demandé pointu, c'est trop beau. Yeah. Daliana est partie, mes ongles sont terminés, ils sont juste magnifiques. Je sais pas si vous voyez bien, mais j'ai fait un effet pailleté doré, j'ai voulu du rouge. Là, j'ai fait un effet mat. Ici, là, j'ai fait un irisé avec un petit flocon dessus. Je sais pas si vous voyez bien. C'est un effet nacré ici, effet sucre. En plus, je l'aime trop. Regardez, j'ai mis un renne avec des petits flocons dessus. Oh là là. Elle est vraiment trop trop forte. Profitez-en parce que là, elle fait un tarif libre. Donc, c'est vous qui choisissez le tarif que vous voulez mettre. Jusqu'à début janvier, elle fait ça. Donc, vraiment, je vous mets son lien d'Instagram si vous voulez la contacter. N'hésitez pas. C'est vraiment magnifique. Un grand merci encore à Daliana. Donc, moi, je vais continuer mon petit sapin. On va ouvrir du coup le calendrier de l'avant. Vu que Daliana vient de partir, que j'ai fini mes petits ongles. Donc, le 9, il va être juste là pour le Your Surprise Milka. Et ils sont bien accrochés. Hein. Oh non. C'est le Milka à la fraise. Celui-là, je l'aime pas trop. Ensuite, le Cosmeti numéro 9. Où est-il là? Regardez-moi ça, comme c'est beau. Un genre de casse-noisette avec un gros ours comme ça avec le traîneau. C'est magnifique. Alors, où est-ce qu'on l'ouvre? C'est par là. Qu'est-ce que c'est que celui-là? Ah, celui-là, on l'a jamais eu encore pour l'instant, je crois. Nous avons un thé vert, gingembre et citron. Bon, c'est parti. On va continuer le petit sapin. Et voilà, c'est là. Je les ai gardés mes petits bois, j'avais peur de les avoir enlevés.
la 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 la. All the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Bon, ça y est, j'ai fini mon sapin. Je suis contente honnêtement du résultat, même si j'aurais voulu en faire plusieurs comme chaque année. Là, je suis obligée d'en faire qu'un malheureusement. Le rouge et doré attendra pour l'année prochaine. J'ai fait dans les tons argentés hivernal. Oh là là, j'aime trop. Regardez-moi les petits ours de chez Jiffy, ça rend trop bien les petits nœuds. Celle-là, c'est toutes les décos que j'ai récupérées chez ma mère que j'avais il y a 2 ans. La petite maison de chez Maison du Monde, les boules comme ça de chez Minza, je les aimais tellement. Ma petite boule Disney Store mini, elle est tellement belle en forme de cloche, les petits nœuds. J'ai des petits rennes aussi comme ça, des petits sapins comme ça aussi qui brillent. Des petites boules mates, j'ai la lune là de chez Maison du Monde qui est incroyable celle-ci. Là, les petites boules en bois aussi qui sont magnifiques. Là, la petite boule de chez Maison du Monde en forme de tresse un peu pull, j'adore. La petite étoile par ici aussi. J'ai retrouvé mon petit traîneau que j'avais acheté aussi en jardinerie, que j'adore. Et là derrière, vous avez le petit artichaut aussi de chez Maison du Monde. Oh là là, je valide mon sapin. Il est trop beau. Vous avez vu la petite crèche de Maison du Monde? Moi, j'ai pas encore mis le petit Jésus parce qu'il n'est pas encore né, hein, c'est pas encore l'heure. Mais voilà, elle est trop belle, c'est trop cute. Et regardez à côté, j'ai mis le petit ange avec les deux petits sapins que j'avais acheté chez Casa aussi, j'avais oublié de vous montrer. Et mon petit moumoun avec le petit ange à côté qui est avec nous toujours. Petit moumoun avec une petite bougie. Bon, du coup, ça m'a pris énormément de temps sérieux à faire le sapin de Noël, hein, parce que ça se fait pas comme ça en claquant des doigts, comme je disais. Mais je suis trop contente déjà de mes petits ongles aujourd'hui. Le sapin, trop content de l'avoir fait aussi avant de partir à Disney. Au moins, comme ça, quand on reviendra, on sera vraiment dans l'ambiance de Noël. Donc sur ce, je vais clôturer ce vlogmas ici, je vous fais des bisous et on se retrouve demain pour la suite des vlogmas. À demain tout le monde, bye bye, ciao.